Je respecte que vous me donnez aussi un retour. J'ai mes enfants qui m'ont appelé hier, qui m'ont dit, Maman Perpé, s'il te plaît, nous avons des œuvres en mai. Est-ce que tu peux te concentrer sur ces œuvres? J'ai dit, oui, mes enfants. Je laisse d'abord Panjansan de FAO de côté. J'ai dit que je faisais la passe à Patricia Mel et mon frère Amer Kamer. Si il s'essouffle, je prends le flambeau, je continue la course. Vous savez que je ne recule devant rien. Quand moi, je prends sur moi, je suis une petite femme qui prend sur elle. Je prends toujours sur moi, c'est pour ça qu'on s'attaque toujours à mes proches. Vous avez vu Ngobulo Mastiko ici se lever, insulter un couple, insulter le souverain et sa femme, insulter ses enfants. Il n'y a qu'un homme qui a les couilles molles qui ne pourra pas taper la main sur la table. Je vous ai dit, il y a des messieurs qui ne règlent pas leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Un homme agit. Un homme ne bavarde pas. Un homme qui bavarde trop et qui se chamaille avec des femmes, c'est une tapette. J'ai appris que Mastiko a fait un live où elle a demandé pardon à ma mère, qui est la femme du souverain, en disant qu'elle demande pardon. Mais j'ai envie de lui dire aujourd'hui que le pardon est irrécevable. Le pardon est irrécevable. Tu vas te mettre à genoux en live. Tu demandes pardon à ta soeur. Tu demandes pardon au président, au souverain. Et on verra ton cas. Au cas contraire, que Panjansan qui t'a envoyé que pour atteindre le diamant bleu, il faut s'attaquer à son père. Je vous ai donné la genèse. Pourquoi j'appelle le souverain mon père? Pourquoi j'appelle sa femme ma mère? Je vous ai donné mes raisons. C'est ma famille. C'est ma famille. Si je tombe ici, on appelle le président, on lui dit, voilà, tout ce que j'ai toujours fait, les deuils que j'ai toujours eu au pays, il a toujours envoyé sa contribution. Parce qu'il n'était pas là, qu'il ne s'est pas présenté. Mais il était toujours là. Vous me connaissez. Moi, je prends beaucoup sur moi. Oui. J'encaisse. Et je suis une encaisseuse. Et je suis sport. Moi, je prends sur moi. Est-ce que vous, en retour, vous pouvez aussi être sport comme moi? Non. Quand vous me regardez debout là, vous voyez que j'ai l'air de quelqu'un qui stresse. J'ai l'air de quelqu'un qui ne dort pas bien. Quand vous me regardez là, je dors jusqu'à. La seule chose qui peut me stresser, c'est que ma mère me dise qu'elle est malade et puis je ne peux pas peut-être faire quelque chose où ma mère est en difficulté, ou mon frère, ou mes enfants, ou mon gars. Si mon gars me dit aujourd'hui que c'est même fini, je ne peux pas stresser parce que je sais que les gens sont amenés à se séparer. Donc, moi, ça ne me dit rien. Vous voyez un peu? Tout ce qu'on peut parler de moi, tout ce qu'on peut dire, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne produit pas de beaux fruits. Quand vous allez mettre ça dans vos têtes, vous allez comprendre que je vous dis la genèse tout le temps ici, que chaque fois que nous avons des œuvres, on a des attaques de partout. Et si on n'a pas ça, ce que nous partons faire, c'est comme, pour eux, ce qu'ils me font là, pour moi, c'est comme un sacrifice. Parce que si le paquet de cigarettes que tu viens de me donner, que le Seigneur te bénisse, que tout ce que tu vas désirer dans ta vie, que le Seigneur te les accorde, mais sache que tu auras toujours des obstacles dans ta vie. Tu n'es pas encore au bout de ton chemin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire. Donc, le souverain
et sa femme ont été vilipendés sur les réseaux sociaux à cause de moi. Parce qu'ils m'ont tendu la main quand j'en avais besoin. C'est pour ça que vous voyez que ces personnes se font humilier, vilipender sur les réseaux sociaux. La femme du souverain n'est pas sur les réseaux. À la rigueur, elle peut regarder sur YouTube. Mais vous voyez que le simple fait qu'ils m'ont tendu la main, il se retrouve que une personne qui a cohabité dans leur maison, c'est-à-dire dans la maison des beaux-parents de mon président, se retrouve aujourd'hui. Voilà des personnes qu'on appelle les ingrats. Parce qu'ils sont venus dans la famille de la famille, de la belle famille de mon souverain. Ils se sont garbés jusqu'à ce que la famille même de la maison ont fui, ils sont partis, ils sont venus s'immigrer. En tout cas, le sujet, même si aujourd'hui, c'était juste pour dire que c'est irrécevable. Donc, tout ce qu'elle va venir dire là, c'est irrécevable. On n'est pas avec eux. Vous voyez, non? J'ai envie de vous faire écouter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire déjà d'abord. Le direct d'aujourd'hui, là, c'est pour faire. J'ai deux décryptages que j'ai envie de faire depuis. Mais on ne fait que faire genre. Pendjansan, il faut qu'il écoute ce que. Oui, j'ai quelque chose devant vous. Un vieux père, 70 ans, qui est dans les réseaux sociaux, qui est sur les chèques, qui est sur les prostitutions, qui est sur les gens qui prennent la drogue. C'est lui-même qui est le patron de la prostitution. C'est lui-même qui vend la cocaïne d'un débat. Toujours lui. Mais, toujours toi, tu travailles quand? À 70 ans, tu travailles quand tu as la retraite. Oh Dieu. Oh Dieu, Dieu. Fais que tu nous envoies encore un dernier virus pour terrasser ça. Parce qu'on a vu coronavirus, là, pas terrassé. On a vu Omicron. J'ai cru que tu allais faire que le vieux type là d'aille une fois. Envoie encore un virus qui est très virulent pour terminer ma une fois. On a marre de toi. Tu es sorti de nous blogueur depuis quand? Tu me sens que tu es devenu blogueur depuis quand? Le président des petits bambous. Un vieux père. 70 ans qui est dans les réseaux sociaux, qui est sur les chèques, qui est sur les prostitutions, qui est sur les gens qui prennent la drogue. C'est lui-même qui est le patron de la prostitution. C'est lui-même qui vend la cocaïne d'un débat. Toujours lui. Mais, toujours toi, tu travailles quand? À 70 ans, tu travailles quand tu as la retraite. Oh Dieu. Oh Dieu, Dieu. Fais que tu nous envoies encore un dernier virus pour terrasser ça. Parce qu'on a vu coronavirus, là, pas terrassé. On a vu Omicron. J'ai cru que tu allais faire que le vieux tube là d'aille une fois. Envoie encore un virus qui est très virulent pour terminer ma salle une fois. On a marre de toi. Tu es sorti de nous blogueur depuis quand? Tu es me sens que tu es devenu blogueur depuis quand? Le président des petits PTT. Tu es devenu blogueur depuis quand? Il s'est appelé où? Oh Dieu. Oh Dieu. Écoute ma prière, oh Dieu, comprends-moi. Envoie-nous un virus virulent pour finir avec par le sang. Habileté. Je te dis que. Envoyez les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai un jamais vide. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les étoiles vont m'aider, maman. Merci. Je n'ai plus la monétisation pour l'instant. Je n'ai que les étoiles, ce que vous me donnez là, qui peuvent me faire chop. Comme ça, je ne veux pas aller demander les 50 euros. Envoyez les étoiles avec. En attendant que vous partagez et que vous vous abonnez à la page. Alors, j'ai vu cette vidéo depuis là. Je vais la décrypter. Mais. Vous m'avez demandé de tranquille. Donc, je vais décrypter cette vidéo avec vous. D'accord? On va décrypter cette vidéo parce que. Les filles! S'il vous plaît, venez un peu. Écoutons la vidéo sienne. Donne-moi ma bouteille qui est au frigo la Noël. Et vous me donnez le sirop là, pardon. Donne-moi le sirop là. Jamais, on est correct. On est là. Hmm?
la porte du frigo. C'est la porte du frigo, tombe un peu. Sirop de fraises, j'adore. Partagez le live, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cœurs. Merci, maman. Oh, mon bébé, Christian de Monaco. N'oubliez pas, hein. On va faire un direct le 5. Lamato, you know what we're singing, I'm here, oh, yeah. Pourquoi ça fait ça? Deux secondes, je vais demander comment on voit ça sur YouTube tout de suite. Très facile. Envoie-moi la vidéo, c'est sur YouTube, pardon. Oh, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Je vous aime. Bon. On va parler aujourd'hui de... des hommes cocus. D'accord? Le débat vous intéresse ou pas? On va parler des hommes cocus. D'accord? Et pourquoi ça ne s'ouvre pas ici sur YouTube? Qu'est-ce qui n'a pas marché là? S'il te plaît. Là, on décrypte la vidéo de Ducambindo et on parlait de Marie. Pardon. Moi, avec mon affaire de voice, que je vais les 50 euros. Merde, mes gens, j'ai mis Facebook en éruption. En quelques jours, j'ai mis Facebook en éruption. Vous n'avez pas remarqué ça? En 2-3 jours, la Facebook est en train de prendre feu. Qui est en train de mettre Facebook comme ça? Je mets tout le monde au travail. Au point où certaines personnes sont en train de pleurer. Hé, hey, maman pépé, comment tu fais? Tu as le moral? Maman pépé, prie beaucoup. Non, je vous ai déjà dit. Que la femme que vous voyez là, pour venir m'attaquer là, il faut se lever à 5h, peut-être à 4h du matin. Parce que moi, j'encaisse. Et quand moi je viens riposter, je ne connais pas riposter dans les caresses. Si vous me suivez depuis, si vous connaissez comment est-ce que moi je fonctionne, vous devez comprendre que moi, je suis une personne. Je ne peux pas dire que je suis parfaite, hein? Non. Si je dis que je suis parfaite, c'est que moi-même, je me mens à moi-même. Mais je suis une personne qui encaisse. J'encaisse beaucoup. Mais quand je sors, vous avez vu comment elle parle des FAO. C'est depuis que ce monsieur, on m'atomise. Vous avez vu même Ngobilo. Quand moi, je fais seulement un direct, elle a, je ne sais pas combien de directs. Elle a 70 directs. Elle a 70 directs. Moi, j'atomise seulement one. Et mes directs, mes atomisations sont, c'est-à-dire, ça a le goût. C'est très beau. Je ne peux pas inventer. Je te donne l'heure juste. Comme Baba l'a dit souvent, je te donne l'heure juste. Oui, et ça ne chauffe pas. On va décrypter cette vidéo-ci. Et c'est bloqué. Sur YouTube, c'est bloqué. C'est bloqué. Comme j'ai bloqué l'élément, c'est pour ça que je voulais qu'on me donne ça sur YouTube. J'ai mis le lien du PayPal au-dessus de mon live, s'il vous plaît. Si vous pourriez partager et puis envoyer ce que vous pourriez envoyer. N'oubliez pas que j'irai voir les prisonniers et les orphelins. Donc, j'ai besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Bon, la vidéo là, peut-être ça n'existe plus. On va prendre la vidéo de Mboboko aussi. C'est simple.
Jamais. Moi, j'ai fait 13 ans. S'ils n'ont pas vécu un mois dans la même maison, la grossesse a été mise comment? En un seul jour? Pipi, tu t'entends souvent parler. Donc tu me dis qu'il a, il a connu cette fille-là. Ils ont seulement fait 5 jours. Ils ont fait 5 jours. Ils n'ont jamais fait. Ils n'ont, tu dis bien qu'ils n'ont jamais fait un mois dans la même maison. Donc ils n'ont que fait un jour, quoi. C'est ça? Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand on veut se foutre la gueule des gens. Vous voyez un peu, non? J'ai vu une fille là qui était en train de décrypter la vidéo de Ducambindo. C'est elle là même surtout comment je voulais décrypter plus sa vidéo parce que j'ai entendu comment est-ce qu'elle était en train de dénigrer. Ça ne s'ouvre pas, la fille là. J'ai entendu comment est-ce qu'elle était en train de dénigrer carrément. Attendez, j'arrive. Je vais dire aux filles là d'abord que vraiment. Ce qu'elles sont en train de faire, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous ai dit que dans ma chambre, on ne joue pas. Si vous voulez jouer, vous sortez de ma chambre. D'accord? Dans ma chambre, il y a les chiffres à poser, il y a les chiffres sous mon lit. Si vous voulez jouer, vous partez dans votre chambre. On est d'accord? Bon, c'est pas grave, on va faire. Ça ne s'ouvre pas, ça ne va pas venir sur YouTube. Pas grave. On fait. On fait ma pour pipi là. Parce que même ça, qu'on m'a envoyé aussi. On m'a envoyé, mais c'est pour elle là que je voulais. Parce qu'elle a dénigré. Elle a dénigré Marie Fodja. Bon, on va écouter Mboboko aussi. On va décrypter la vidéo de Mboboko aussi. Quand tu veux parler. Bon, je dis que maman. Mettons un peu pause ici. Quand vous regardez ce visage-ci. Vous voyez que le visage là, elle n'a pas 53 ans. Attendez. Regardez qui appelle une autre femme Travlo. Vous avez vu celle qui appelle une femme qui a fait un enfant à un homme. Une femme qui a fait un enfant à un homme. Elle vient l'appeler Marie Travlo. Elle est restée avec cet homme-là 13 ans, comme elle dit. Même pas un retard. Je dis bien, même pas un retard. Même pas un seul retard. Mais elle vient appeler la mère de l'enfant de quelqu'un, Travlo. De qui se fout-on? Si tu es une femme, laisse le truc en bas ce que tu fais là. Pipi. Je n'aime pas votre mot, j'ai fait 13 ans. En 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En 13 ans de vie commune avec ce monsieur-là, Stéphane, le gars de Marie, le père de l'enfant de Marie, c'est comme ça qu'on doit l'appeler, le père de l'enfant de Marie. Est-ce que tu sais comment ça sonne? Quand nous étions jeunes, on était, quand on sort avec un gars, quand le gars te dit, je m'en vais voir la mère de mon enfant, ça te choque. Ça te pionce. Parlons peu, parlons bien. Comment tu peux dire que la mère de l'enfant de Stéphane a 50 ans, tu es l'aîné de Marie? Tu es l'aîné de Marie? Tu sais très bien que tu es l'aîné de Marie, tu le sais. Et tu dis que tu as fait 13 ans avec le père de son enfant. Ah. 13 ans, ce n'est pas 13 jours, hein. Ce n'est pas 13 mois, c'est 13 ans que tu prétends avoir fait avec le père de l'enfant de Marie. Pendant ces 13 ans, qu'est-ce que vous avez construit ensemble? Pendant ces 13 ans, tu peux nous expliquer quelle était tes scores? Pendant ces 13 ans, tu étais dans des mariages où tu te faisais attacher et le monsieur était à la maison, il t'attendait. Il gardait l'enfant de ton frère qui était dans la maison. Tu étais toujours parti dans tes mariages. C'est lui qui jouait le rôle de papa, de maman, avec cet enfant qui n'était même pas son sang. C'est lui qui jouait le rôle
du gardien de la maison. Pendant que tu allais faire tes débois dehors, pendant que tu te faisais humilier dehors, pendant qu'on t'attachait, pendant que tu écartais, il était dans la maison. Il devenait ivrogne. Il devenait alcoolique. Tu dis que tu n'as pas, tu supportais. Tu sais pourquoi est-ce que tu supportais? Parce que tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais vraiment pas lui faire partie. C'est pas toi qui es fait partie, Stéphane. Stéphane est parti de lui-même. Stéphane est parti parce qu'il voulait partir. Il en avait marre de l'humiliation. Laisse-moi te dire que ils n'ont pas, Stéphane et la mère de son enfant n'ont pas recommencé hier. Ça fait des mois. Ça fait toujours, ils ont toujours été ensemble. Sauf que ils avaient décidé un moment, chacun va. À cause de toi, il se fait lyncher sur les réseaux. Il se fait humilier. Il a dit, pourquoi nous les hommes, nous n'aimons pas là d'où nous avons la paix. Je préfère retourner chez la mère de mon enfant, avec qui nous avons des petits enfants. Nous sommes déjà des grands-parents. On va envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Ne laissez pas les ténébreux venir envahir mon live. Envoyez les cœurs. Je vais leur dire leur mot aujourd'hui. Toi, tiens. Tiens ça déjà. Donc, Pipi, quand tu dis que tu as fait 13 ans avec un homme, tu peux dire qu'en 13 ans, je l'ai rendu propre, je l'ai rendu beau, je l'ai rendu papa, je l'ai donné une responsabilité, je l'ai... Non, mais au contraire. Au contraire. Comme j'ai entendu une de tes acolytes là, qui parlait la dernière fois, une de tes ténébreuses là, qui disait qu'il était dans sa voiture, elle décryptait la vidéo de Dukambindo. Dukambindo, quand les couples, les gens qui ont vécu avec les hommes, il t'accordait de partir faire tes mariages, tu revenais, il te reprenait. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas partir. Tu crois que tu le tenais trop? Tu es sûr que tu le tenais trop? C'est parce qu'il a l'instinct paternel. Il voyait cet enfant. Il voyait l'enfant qu'il a pris, qu'il a commencé à élever toute petite. Il voyait que s'il laisse cet enfant, l'enfant là sera... Peut-être on pourra prendre cet enfant et m'envoyer à la DAS. Et tu n'allais plus mieux gagner ta vie, Pipi. Pipi, je pense que tu m'as dit, tu m'as souvent dit que tu as fait des études, non? Tu as fait des études? Ou tu préfères seulement rester à dire que tes pipimanias vont te nourrir? Moi, je ne vais pas rester toujours dire que, oh, grâce à mes t'es cassé que je vis. Non. Non. Nos enfants peuvent compléter ce que nous voulons. Mais ce n'est pas une obligation qu'ils doivent toujours dire. Tu ne dois pas toujours venir crier sur les toits qu'ils te donnent, ils te donnent. C'est pour ça qu'on va dire que votre, les ténèbres là, ce n'est que des vendeuses de piments. C'est normal. Ils ont l'argent facile. Ils ont la... Regarde toute votre team là, c'est que des vendeuses de piments. Que des vendeuses de piments. C'est-à-dire toutes. J'ai dit, j'ai lancé une alerte. Qu'on me trouve là d'où Moukété vend le piment. Viviane Moukété. Arrête même de clasher, je vais arrêter. Si vous me montrez là où la fille a vend le piment. J'ai ma mère là, qui m'a donné petit indice. Elle m'a dit qu'elle voit souvent, elle gare sa voiture à la gare avant de partir. La personne qui va m'amener là-bas, la personne là m'a gagné. On continue à écouter. L'amour clan, la belle, l'amour, la belle de clandestin le week-end. Va t'asseoir là-bas, tu me montres, tu es une femme, tu t'assois. Tu fais 13 ans et tu viens me parler. Et tu viens m'appeler sorcière. Tu as compris, Marie Travlo. Tu sais que tu sors encore sur moi. L'année dernière, je voulais laisser, je voulais me piétiner. Je voulais laisser. C'est que tu as encore tenté ta maman là. Tu vas sortir sur moi comme le lui. Voilà les filles qui disent qu'ils ont grandi dans la barrière.
peut pas s'exprimer sans parler les bah, fais encore ta maman là. Ça, c'est les langages des filles du quartier, et les langages des filles de Mokolo. Joue que tu fais encore ta maman là. C'est quoi ce langage là? Hein? C'est quoi les langages là? Les langages orduriers. Le jour que tu fais encore ta maman là, toi j'étais loupé, reviens encore. Viens encore commenter ici. Langamawa. J'étais loupé. Hein? Voilà le langage d'une fille qui dit qu'elle a grandi dans zéro. Tu peux rester avec un homme pendant 13 ans. Qu'on n'entende pas tes scores. Dès que Stéphane arrive à son lieu de service, bam, il ouvre son téléphone, bam, écartement, axe le doigt à la Yaoundé. Il pousse, ha, attachement, oh. Il pousse, on voit les godets derrière, il était fatigué. Tu appelles leur relation clandestin. Donc tu es là même, tu vis aux dépens d'eux. Jusqu'à tu cherches à savoir quand ils se voient et quand est-ce qu'ils ne se voient pas. Pipi, ils sont ensemble depuis. Ils ont seulement officialisé ça pour déclarer au monde qu'on doit voir qu'ils sont fatigués de faire toujours le back-back. Ils ont dit que là, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Vous avez vu le jour tout à l'heure au cric. Il n'y a même pas quelques secondes là qu'on était au cric. Si vous êtes déjà fatigué, vous partez vous coucher. Donc, il a dit à une soeur qu'il a la nudité. Quand tu as dit qu'il a la nudité, il m'a privé. On dit toujours, fiche le camp, de toi. Ferme ta gueule. Toujours on te dit qu'il a dit que la nudité sont là dehors depuis. C'est là dehors depuis. Qu'est-ce que tu racontes? Quand il a dit, hein, avec Beck. On a ça là dehors depuis. Tu étais avec lui pendant que tes bêtises étaient là dehors. Qu'est-ce que tu racontes? Les gars, nous. Ferme ta gueule là. Il buvait son vin, il dormait lui. On venait te couiller sur son sur le canapé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'il a dit. Qu'on n'a pas déjà vu quoi sur ton corps là. Qu'est-ce que tu peux m'encore montrer un homme que tu vas me venir dire que tu montres à un homme? On connaît à tout sur ton corps. Tu n'as pas un secret que tu peux montrer à un gars que tu es le seul qui a vu ça. Nous tous, on a vu. On a tout vu sur toi. Dans toutes les positions. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Dis que tu voulais leur clasher. Ne viens pas dire que tu avais. On a dit quoi? Ton sang calé son est dehors depuis. Nous, on l'a depuis. Pendant que tu étais avec lui, tu te faisais déjà attacher. Hein? Pour pimenter un peu tes relations que tu avais dehors. Comme tu disais toujours, je voulais quelque chose que je n'allais jamais oublier parce que c'est lui qui m'a donné l'amour. Il m'a fait du bien. Hein? Je voulais que. Je lui ai demandé de m'attacher parce que. Mbap. Ah bah. Le monde entier saura la vérité. Elle est sale. Fait du sale. Je vais vous dire ce qu'elle parle, qu'elle va faire du sale. Elle a dit à quelqu'un qu'elle va saboter le monsieur là qu'il a bu, il a pissé sur le lit. C'est elle qui pisse sur le lit, nous tous on connaît. Quel est le sale que tu vas faire? Tu as dit que tu le tenais parce que tu disais toujours que tu vas l'accuser qu'il a fait des attouchements à l'enfant. Mais l'enfant est déjà grande. Elle est déjà grande, même si tu n'as pas dit qu'elle doit dire qu'elle ne peut plus dire ça. On est fatigué du chantage. Le gars était fatigué même bien. C'est pour ça qu'il est parti. Il a sa maison maintenant. Quoi? Comment tu m'as coupé dans mon live comme ça là? Je t'ai appelé tout à l'heure avant de lancer mon live. Tu n'as pas décroché. Maintenant, tu m'appelles pour me couper pour gâter l'ambiance de mon live. Alors, moi, je n'ai pas de retenue maintenant. Tu m'appelais, tu sais bien que je suis en direct. Comme ça que vous me cherchez toujours, quand je suis calme. Comme il ça. Il va commencer la guerre, il va être violente. Il va monter ma chatte qu'il a baisé pendant 13 ans. Ne dis pas de gros mots dans mon live. Non, mais tu vas dire que non. Pas de gros mots dans mon live. Où est-ce que je l'ai trouvé? Tu as compris? Si tu es une femme, tu crois qu'un homme responsable, un homme qui a tous ses couilles, un homme qui a quand tu as fait ton enfant est en TikTok. Tel père, tel fils. C'est qu'il abandonne son enfant, il n'a pas dit. Il n'a aucun remords. 10 ans! Il n'a pas vu des enfants. 10 ans, il n'a pas vu ses enfants. Le voile. Écoutez une femme alors qui dit qu'elle était avec un homme. Pendant 13 ans, elle a aimé cet homme-là. 10 ans. Elle devait avoir honte d'elle-même. Parce que en 13 ans, elle pouvait, si elle était une femme, son mec, son ex n'était pas un gigolo.
Elle pouvait se battre à ce que ce mec fasse venir son enfant pour montrer à l'autre caution. Vraiment, venant sur les réseaux sociaux, parfois s'éduquer, parfois amener aussi parfois du bon exemple. Ne venons pas toujours montrer le mauvais exemple. Là, ce n'est pas un clash que moi je fais. Moi, je suis en train de recadrer et parler de cette vidéo-ci. Parce que nous tous ici sur la toile maintenant, tout le monde fait des décryptages des vidéos. Tout le monde sur la toile aujourd'hui fait les décryptages des vidéos. Moi, je décrypte les vidéos qui m'intéressent. Toutes les vidéos maintenant que je vois qui m'intéressent, qui m'interpellent, je décrypte. Que ce soit en bien ou en mal, je décrypte. D'accord? Donc, j'ai choisi de décrypter cette vidéo parce que j'ai vu ça depuis. Et l'autre vidéo là aussi même qui m'a interpellé, de une de ces filles là. On dit que c'est la, ou c'est la cousine ou la nièce de Babalé. Je voulais bien décrypter cette vidéo là parce que j'aime bien décrypter les vidéos comme ça et t'as dit la façon que toi tu donnes les conseils à la personne, c'est la même façon que je te donne aussi les conseils. Là, c'est très intéressant. Cette pipi n'est pas honnête. Elle est très malhonnête. J'espère qu'ils récoltent des fonds. Ils vont prendre où? Ils vont prendre où? Ce n'est que le 5. À partir du 5 jusqu'au 17, je peux pointer. Attendre encore l'autre. Parce que la TKC, c'est les fonctionnaires. Donc, la TKC, les sympathisants de la TKC. Je sais que vos salaires passent à partir du 5. Je sais. Voilà. Le 15. Voilà l'une qui dit que le 15. Moi, je ne vous mets pas la pression. Le jour qu'il y a 10 euros, hein, qui chôme là, vous venez mettre. Voilà, on peut faire le 5, le 10 et le 15. Oui, on peut faire les récoltes de fonds comme ça. Donc, ça dit que quelqu'un aime seulement, c'est 20 euros. Bon, les 20 euros, si je vois que ce mois-ci, mon frigo est plein, la maison est payée, tout. Bon, je mets ça là. Le paypal le diamant bleu là-bas là. Vous voyez, non? Vous faites seulement comme ça. Vous partez mettre là-bas. Ça sera trop bien. Donc, si vous partez seulement, t'as dit, vous venez, vous mettez, comme là maintenant, nous sommes plus de 1000 personnes. Si les 1000 personnes, si, partez seulement mettre, même 10 euros, et... Même 10 euros. Parce que quand on va faire ça, le 5, chaque fois que je regarde, vraiment, comme on dit souvent, c'est le Seigneur seulement qui va vous récompenser. S'il fallait que vous partez écouter, qu'on dise que elle mange l'argent des dons, elle mange ce qu'on donne, l'essentiel est que quand je pars même, je donne, vous voyez. Quand je pars donner, vous voyez. Vous êtes content. Il y en a qui m'appellent pour me dire que maman Pépé, tu m'as donné la chair de poule. Maman Pépé, j'ai eu les frissons. Si nous avons assez, j'aimerais que ce soit couvert par un de ces médias. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai envie de partir vers le 17 mai comme ça là. Vers le 17 mai. Donc, j'ai besoin de vous. Mon PayPal est juste au-dessus. Allez faire un tour. Sortez, allez mettre quelque chose et vous revenez. Dites à mes beaux frères que le diamant bleu a dit que le tout-ci, elle ne veut pas entendre que donner, c'est-à-dire chicoter l'ennemi. Vous allez vous me demander toujours, quand vous m'appelez, vous me demandez, ma pépé, comment tu fais même pour avoir toujours le sourire? Comment tu fais même pour avoir toujours le moral? C'est vous qui me donnez ce moral-là. C'est vous qui me donnez le moral parce que quand je regarde, que je dis que hey, on a des œuvres à partir faire. Je vous. Oui, mon bébé. Ça va, mon fils d'amour. On sait que quand il appelle que mon amour, il veut savoir qui j'appelle mon amour. Hey! Orange Money. On a parlé de ça, non? Il faut que j'essaye de voir comment. J'ai ouvert un Orange Money ici.
Mais je n'ai pas continué le truc. Mais je vais le faire. À partir de lundi, là, je vais le faire. Parce que c'est important. Il y a des personnes aussi qui m'ont appelé pour me demander Orange Money. Oui, Orange Money Cameroun, non. Oui. Oui. Ah, d'accord. Ok, mes enfants. Je vais arranger le problème de. Puisque le 5, on doit faire une récolte de fonds en live, non? Il y aura un Orange Money. Hein? Le 5. Non, il y aura un Orange Money. Il y aura un Orange Money. Je vais m'arranger. Oui. Je vais m'arranger à ce qui est ça. Non, je vais m'arranger à ce qu'il y ait un Orange Money. Le 5. Parce que le 5, là, on va s'entendre nous tous. Je pense qu'on va le faire à partir de 18h. On va faire ça à 18h comme ça tout le monde est posé à la maison. On commence avec on commence avec d'abord le petit japap et puis on fait notre truc, comme on fait d'habitude. Je dis merci. Merci beaucoup. Continuez seulement à me lever. C'est tout ce que moi je vous demande. Et j'ai envie de faire comme ça un gros, 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 gros bisou à ma boss lady. Celle-là même qui a décidé. Elle vous a dit qu'ensemble, on va élever cette petite femme. Ensemble, nous allons mettre cette femme en haut. Et je dis merci comme ça à la Gluta Boss. Merci pour ce que tu fais pour la TKC. Il y en a qui ne voient pas. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais je te dis, une fois de plus, tu ne seras pas déçu avec moi. Non. Toutes ces personnes-là, comme Pablo Doc, qui me cherchait les problèmes, c'est lui qui a commencé à me chercher. Qu'on se retrouve au niveau où nous sommes là. J'ai commencé à calmer cette histoire, moi étant au Cameroun. J'ai calmé cette histoire. J'ai tout fait. Il a dit que niet. Il est monté sur moi. Quand moi je me réveille, moi je me réveille souvent brutalement. Attendez, je vais épingler le PayPal. Maman Pépé, on t'a entendu, tu es parti parler là-bas là, chez ta fille. On ne veut plus que tu reviennes dessus. J'allais parler ce soir, j'avais envie de parler. Mais elles m'ont étouffé. Elles m'ont étouffé. Elles m'ont dit, tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Je suis qui pour ne pas respecter mes enfants là? Est-ce que vous savez que 20 euros qu'un enfant là, une TKC, parce que les TKC sont les mendiantes, nous sommes les mendiantes. Quand elle enlève 20 euros pour aller mettre dans mon PayPal, c'est beaucoup de sacrifices. Nous, on ne fait pas le matu vu. On accroche nos sacs où on peut décrocher. Oui. Nous accrochons nos sacs, nous pouvons décrocher. Vous voyez qu'en ce moment, la personne qui donne le travail sur la toile, le diamant bleu, le diamant bleu, moi-même, quand je reste comme ça après le live, parce que avant de faire mes lives, souvent je pars d'abord sur TikTok, je fais d'abord mes danses là-bas. J'ai fini de danser maintenant. Je constate que non, je suis la donneuse de work. Et sachez que rien ne m'affecte de tout ce qui se passe. Donc, mes soeurs, quand tu es avec un homme, que cet homme-là, même s'il y a quoi, on ne dit pas que dans un couple, tout est toujours parfait. Et on dit souvent, certaines personnes veulent souvent amener la guerre après l'amour. Moi, par exemple, je suis un exemple vivant. Si ce n'était pas que on amenait mon problème sur les réseaux sociaux, moi, je n'allais jamais amener. Moi, je suis très cachotière. C'est les personnes toujours qui amènent mes histoires sur les réseaux. Si ce n'est pas qu'on m'amène sur les réseaux et que je viens me défendre, c'est que vraiment, personne n'est au courant de mes choses. Nous tous, nous avons vu ici quand Pipi a commencé
à humilier le gars autrui. Je vous ai dit que j'étais là-bas le jour qu'il portait ses affaires. Quand cherchais la maison, la première fois qu'on est parti porter les choses, envoyer les cœurs. Envoyer les cœurs. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Mes enfants, j'espère qu'ils vont bien. Mes petits-enfants, je leur dis que leur mamie les embrasse et qu'elle les aime. Que je les aime beaucoup. Que je leur fais plein de bisous. Quand je pars au Cameroun, je reviens, je leur garde des chapelets. Il leur faut des chapelets. C'est important. Facebook, là, il y a tout le diable. Tu leur mets ça sous les oreillers, seulement ils dorment avec. Ils peuvent venir nous attaquer dans la nuit quand ils veulent. Là, je suis énervé. Je suis fâché. Mon fils Jules Dubois, je suis en train de me fâcher. Quand tu me vois mettre la main comme ça, c'est parce que j'ai pas envie de parler. Je vais parler quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Donc je souffle, je prends un peu. Je souffle un peu. J'ai envie de me fâcher en fait. Vous m'avez dit de ne plus parler mes choses devant les gens. Non. Je suis un peu fâché là déjà. Mais quand je vois les cœurs, ça me fait du bien. Je vais un peu, légèrement un peu, parler un peu, un tout petit peu. Parce que vous n'étiez pas content aujourd'hui, le fait que je suis allée, je me suis emportée. Parce que vous savez que quand je suis en discussion, un jar, quand je vois qu'on ment sur moi, je m'emporte. Vous voyez, non? Quand on ment sur moi, je m'emporte. Vous savez, en ce moment, c'est pas seulement ce moment. Depuis un certain temps, il y a certaines abeilles, certaines, hein, je précise bien, je m'exprime bien en français là. Qui, depuis un moment, me font des jugements, t'as dit, me juge. Depuis un certain temps, un moment où j'ai vu mon fils Christian de Monaco s'est fâché, qu'il m'a même passé un mot en me disant, est-ce que ta copine ne voit pas tout ce qui se passe. Vous savez, parfois, nous pouvons être sur les réseaux, mais par exemple, moi, j'ai des choses parfois que je ne vois pas. C'est quand peut-être on m'appelle, on me dit que, hey, est-ce que tu sais que parfois, je suis au courant. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne vois pas. Depuis que j'ai encore connu même TikTok, je ne sais pas, moi, je danse, moi, sur TikTok. Et si j'appelle ma fille, quand elle va vous dire que... Je suis d'abord fan de moi-même. Je peux. Parmi eux là-bas, qui fait souvent les directs. Oh, j'ai même vu, par exemple, hier dans la nuit, j'ai vu un direct d'une dame qui est au Cameroun. On dit qu'elle est, c'est quoi, justicière ou elle chez elle. J'ai vu Gobilo est entré dans ce live-là. Quand je parle comme ça, vous savez déjà de qui est-ce que je parle. Moi, je ne connais pas son nom. Je suis tombé comme ça en passant. Pas quoi. Oh. Certaines abeilles sont entrées là-bas me laver. J'ai compris directement que cette femme, c'est une abeille aussi. Parce que je ne comprends pas pourquoi elle peut se permettre de faire un live où des personnes viennent m'insulter alors qu'elle dit que elle n'a pas de parti. Quand on dit qu'on n'a pas de parti, tu prends ton téléphone. Tu positionnes, tu parles, quelqu'un monte, tu prends. Dès que la personne commence à dire que Christian de Monaco, tu es un fou. Ma chérie, dans mon live, on n'insulte pas. Descends, tchac.
Quand quelqu'un monte déjà dans ton live, tu permets qu'on insulte une tierce personne dans ton live. Les abeilles. Si vous dites que vous voulez partir, je ne sais pas, ou vous partez, vous n'avez pas d'explication à donner à quelqu'un, personne ne paye votre connexion. Mais ne faites pas l'hypocrisie. Ça, c'est, j'appelle ça, c'est-à-dire la lâcheté. Moi, je ne peux pas tolérer qu'on vienne insulter, comme j'ai fait la paix avec Nathalie Babalé. Quelqu'un monte dans mon direct, manque de respect à Nathalie Babalé, je te fais descendre. Je ne négocie pas avec toi. Point. C'est comme ça. J'ai fait la paix avec Patricia Mel. Quelqu'un monte dans mon direct pour insulter Patricia Mel, je te fais descendre. C'est tout. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi, je suis comme ça. Donc, quand vous faites les directs, vous dites que je, moi, je ne soutiens personne. Hein. Moi, je supporte tout le monde. Tout le monde, je suis avec tout le monde. Mais on voit bien le tout le monde que vous soutenez là que mais j'ai écouté ce direct à la nuit. Ma astico est montée. Elle m'a atomisé. Après ma astico, c'est les abeilles. Ils m'ont atomisé. Ah, j'ai écouté deux atomisements. Hein. J'ai coupé. Néo m'a atomisé, ça m'a donné le sommeil. Ouais, vous dites qu'on m'a atomisé là-bas. J'ai dit, ah, ce n'est pas la femme-ci qui dit que elle est une abeille. Parce que même les comment on les appelle là, les ténébreux, beaucoup là sont devenus aussi abeilles. C'est comme vous avez l'habitude de dire, non? Dès qu'on fait la paix, c'est qu'on est devenu abeille. Donc, vous êtes devenu aussi abeille. Les ténébreux, là. Beaucoup, là, sont devenus abeilles. Beaucoup. Abeille, ténèbres, ça donne quoi? Donc, quand on dit que abeille et ténèbres, ça donne quoi? Parce que t'as dit, je ne mélange pas les abeilles. Hein. Attention. Je ne mélange pas les abeilles. Je parle des abeilles frélatées, là, qui se sont mélangées avec les ténébreux, là. Comment on appelle la qualité là? Comment on appelle la qualité là? Hein? Ils sont devenus aussi les abeilles. Elle dit que je demande moi, je suis là où elle avait dit quoi? Quelle est la sœur de Nathalie Babalé, et que elle a choisi de faire son blog. Mais, tout ce qui se passe, ma chérie, reste dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres. Non, je ne t'ai pas appelé, bébé. Je ne vous ai pas appelé, excusez-moi. Reste dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres. Ne fais pas genre, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres. Vu que tu as fait des lives, ou tu as même décrité même mes vidéos, les gens sont venus m'insulter. Le petit Toby est monté dans ton live, il a voulu atomiser, il est venu me venger là-bas, tu l'as fait descendre. Là, tu as fait vite descendre le petit Toby. Mais quand moi, on m'insultait, tu n'as pas fait descendre des personnes. Tu es hypocrite, c'est ça qu'on appelle dans les personnes hypocrites. Et quand j'ai vu ça, je l'ai bloqué, cette personne, je l'ai bloqué moi. J'ai dit, pourquoi même encore je veux la suivre? Déjà, même son visage ne m'a jamais attiré, je ne l'ai jamais aimé. Pour rien comme ça, pas par rapport à quelque chose, pas parce qu'elle est dans les ténèbres, il y a des personnes comme ça que sa gueule t'énerve. Sa gueule m'énervait, c'est tout. C'est pas par rapport à quelque chose, hein. Et ça m'a encore énervé le plus quand j'ai vu qu'elle a fait des lives où les gens montent, on m'insulte. Moi, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas laisser que quelqu'un vienne à mon live insulter quelqu'un que je n'ai aucun problème avec la personne et que je n'ai pas envie d'entrer même en clash avec la personne. Je ne peux pas tolérer ça qu'on vienne insulter cette personne dans mon live. Non, je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas monter dans mon live, même si tu es une tête cassée. D'abord, ils connaissent. Tu es une tête cassée, tu viens insulter quelqu'un que j'ai de l'estime pour lui, je te bloque. C'est comme ça qu'on fait. Donc, vous... Ça fait il y a 4 seulement. Hein. J'ai les... Ils ont dit qu'ils sont quoi? Les avocats de Panjansang. Donc les bandes là, non? Des femmes là, qu'on doit donc appeler Travelo là, alors, la bande là, alors. Ce sont eux, alors, les vrais Travelo. Ce sont eux là. Regardez, hein. Une
J'ai allé m'appeler mon fils Toby. Toby Chou. Pardon, il y a une question que j'ai envie de poser à Toby Chou. Toby Chou a parlé quelque chose l'autre jour. Par rapport, il y a un gars là qui est en Belgique là. Le gars qui est en Belgique là, j'ai entendu Toby Chou dire que le gars là, apparemment, n'y a pas Moulenga. Qu'il y a Moussema et Joe. Je voulais que Toby Chou m'explique un peu l'affaire là. Donc, imaginez donc. Je vous ai cité, on est, ils sont peut-être 6. 6. J'ai bien compté, maman. Parce que, comme je fais souvent là, que 2 plus 1, 24. Ou c'est 23, c'est 24. C'est 6 ici. Avec le doigt ici là. Ici, c'est 5 et ça. Ça fait 6, non? C'est ça. Ouais, Maléba Pépéti. Donc, j'ai appris que. Le monsieur là qui est en Belgique, qu'on appelle. Ma copine lui avait donné un nom là. Ma copine lui avait donné un nom, c'est. Tatou, 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 si c'est quoi là, ou Tatou. Les femmes, il aime les hommes. C'est pour ça que depuis là, il insulte Nicole Ketcha et moi. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'il nous insultait comme ça? Donc le gars nous insulte comme ça parce qu'il est aussi comme. Panjansan. Et. Comment il s'appelle là? Le gars, c'est là. Le gars, c'est le Courto. Comment on appelle Courto? Donc, c'est pour ça que Courto me lave depuis. Maman, excusez-moi. Les gens que je ne connais pas, ils ne veulent pas qu'ils viennent gâter mon live. Je ne prends pas les appels. Là-bas, appelez ici sur le téléphone, pardon. Les gens que je ne connais pas, vous allez venir appeler si vous dites Gospit. Vous allez me salir le live, pardon. Appelez ici. Mais vous dites ici là. Pas les gens qui vont me salir le live. Alors, je prends pas les gens, c'est pas la peine d'appeler. Appelez pas, je prends personne. Ça vous amuse. Comment vous faites toujours rire? Non, je ne prends personne. Maintenant, l'arrivage des Bobola aujourd'hui. Oh là là, j'ai promis que je venais à 17h. Il est à 19h. Je lui ai dit que je venais. Il y a le Bobola qui arrive aujourd'hui. Il n'y a que les bâtons de manioc. Oh, chez Grass Shop. Oh. Je lui ai dit, j'étais avec les filles dehors. Donc, nous sommes rentrés tard. J'étais avec les filles dehors aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a l'arrivage chez Grass Shop là. Des Bobolo, rien que les Bobolo, hein. Ce vendredi, ça n'a pas fait venir autre chose. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été satisfaites. Donc, il y a arrivage des Bobolo. Chez Grass Shop. Donc, allez-y. Allez-y chercher. Il y a arrivage là. Il y a les Bobolo là. Allez-y chez Grass Shop. Ah oui, ma fille amie. Quand je vois que. Diamant bleu a mis la tête de mort, ça veut dire que je dois te bloquer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. Allez-y. Mais j'ai encore les bobolos. Moi, j'ai encore les bobolos. Mais je devais partir chez Grass Shop là-bas, là, faire un live. Et en même temps, profiter pour lui demander pour les départs. Les départs. Je vous ai dit que les choses que l'Angala avait volées là-bas au supermarché pour me donner là, c'est encore là. J'ai le fût en bas là. Donc il faut qu'on fasse partir. Il y a le fût là. J'ai les sacs de vêtements là aussi qui doivent partir. Vous vous rappelez, j'étais parti à Paris porter les porte-monnaies ne soient jamais vides. Oh ma grande soeur, merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Donc on va. Il y a les vêtements que j'ai portés beaucoup. Donc on va aller avec ça. Il y a les vêtements des grandes personnes. Beaucoup plus pour les enfants aussi. Nous alors et sa sœur, elles en ont beaucoup là. Les enfants, est-ce que vous savez que j'habille mes enfants là maintenant? L'autre a 7 ans, je l'habille à presque 9 ans. 8 ans, 7 ans, 8 ans. 9 ans même. Je vous jure, les enfants, si. Il y en a plein là. Donc, j'ai beaucoup de vêtements là à emporter au pays. J'ai beaucoup de choses que je dois envoyer au pays. Et maintenant, c'est les moyens. C'est pour ça que je voulais aller chez Grass Shop aujourd'hui. Qu'elles nous disent. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déposé les choses qui doivent partir au pays là.
Il y a beaucoup de choses qui partent au pays là. Il faut que qu'ils viennent déjà porter, ce sont ceux qui doivent venir porter. Mais avant ça, non. Il faut qu'on négocie, non. Et nous faire notre prix de famille, non. Pour nos choses, c'est quand même pour les orphelins. Hein? C'est pour les orphelins. Donc, si vous avez les trucs comme les médicaments, n'hésitez pas, hein, donnez-moi. Surtout que je pars, cette fois-ci, je pars en prison. Donnez-moi déjà, si vous avez les médicaments, donnez-moi déjà pour les trucs comme les douleurs, les anti-inflammatoires, les médicaments, si vous en avez, donnez-moi. Parce que je vais faire envoyer ça avant. Et là-bas en prison, ils ont besoin des trucs comme ça là. Les bandes, tout ça là. N'hésitez pas. Je ne prends jamais les appels privés. Même la journée, même l'administration sait que moi je ne prends jamais les appels privés. Pour m'appeler là, on m'appelle un appel normal. Même l'administration, ils savent que moi, appel privé là, je ne prends pas. Donc la personne qui m'appelle un appel privé, je ne prends pas. Chez moi, je ne peux pas prendre un appel privé. C'est interdit pour moi. Donc n'hésitez pas. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui travaillent dans le corps médical. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Les compresses, pour les soins, tout ça. Là-bas, là, souvent en prison, ils ont souvent les problèmes de peau. Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, n'hésitez pas. Donnez à maman, au diamant bleu. N'hésitez pas du tout. Pour le mal de ventre, les doliprane. Tout ce que vous avez, donnez-moi. D'accord? Donnez-moi. Vous m'appelez, vous me demandez, vous me donnez. Si vous êtes loin de moi, je vous donne l'adresse, vous m'envoyez ça. On est d'accord, non? S'il vous plaît. Parce que là-bas, ils ont besoin de toute aide. Les femmes ont besoin de protège, c'est-à-dire pour se protection. Ils ont besoin de beaucoup de choses là-bas. N'hésitez pas, je dois donner ça dans les orphelinats. Les gels douche. Donc, n'hésitez pas. J'ai les vêtements aussi. Je crois qu'il y a les vêtements des grandes personnes, mais j'ai plus les vêtements des enfants. J'ai beaucoup plus les vêtements des enfants. J'ai les sacs. Je crois que j'ai les chaussures des grandes personnes aussi. Là-bas, dans la cave, là. Donc, j'ai au moins quatre sacs. Ils doivent partir. Un fût bien plein. Il y a un fût dedans. Le fût et les vêtements qui doivent partir. Donc, n'hésitez pas. Vous-même, vous savez hein, que le pays là, est devenu trop dur. Je ne vous mens pas. Le pays est devenu trop dur. Très, très dur. Donc, ensemble, essayons de faire des choses ensemble. Et je vais dire comme ça, félicitations à l'international Cécile Déma pour les bienfaits qu'elle allait faire au pays. Ma grande soeur Cécile Déma, je salue ton œuvre. C'était très beau, émouvant. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Si toute personne pouvait se mobiliser pour faire des petits gestes comme ça tout le temps, ça allait être trop bien. C'est vraiment. Ça te donne. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Ça te donne vraiment une forte frisson. Et j'ai une autre idée que j'ai envie de proposer à la TKC. J'ai une idée que j'ai envie de vous proposer. Mais je ne sais pas si vous allez accepter. J'ai une idée. Je sais qu'au pays, il y a des jeunes filles qui veulent s'en sortir. Quand moi je dors dans la nuit, je réfléchis beaucoup. Hein. J'ai des choses que je réfléchis. Hein. Je dis voilà, on a des jeunes filles au Cameroun, là-bas, là, en Afrique, hein, qui sont, tu vois, une qui a sa caisse là, ou une qui vend les oranges. On peut faire que chaque fin d'année, on choisit deux ou trois filles comme ça. On leur donne un bon fonds de commerce. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée, envoyer un précœur. Attends un peu, ma fille m'appelle là. Attends un peu. Attends. Attends, je vais mettre le messenger ici.
Et que on pourra parler ça quand on sera en réunion. Voilà. Donc je pourrais proposer au chargé de la communication, ils vont décider et puis ils me diront ce qu'on doit faire, si mon idée est bonne ou pas, si j'ai les idées que hein? J'ai des bonnes idées souvent. Ça fait combien de temps que nous sommes en direct? Mes gens, vous avez fait un tour dans mon PayPal, s'il vous plaît, mes amours. C'est pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ça ici. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'allais vous dire le nombre de personnes qui a cotisé déjà là. J'arrive pas à déverrouiller. Voilà. J'arrive pas. Bon, on va tout installer, puis on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai mes gens qui sont en direct, je vais partager. Bon, je vais couper le direct parce que j'ai mes personnes de l'association, mes soeurs de l'association du mois de juillet là qui doivent faire un live. Donc, on va partager, hein, n'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez toujours.